Bienvenue sur Versets bibliques puissants. Sur cette chaîne, nous partageons des prières puissantes et des versets bibliques inspirants pour renforcer votre foi et vous guider dans votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous vous présentons une prière du matin spécialement conçue pour un lundi de victoire et de percée au nom glorieux de Jésus. Commencez votre semaine avec la puissance de la prière et la parole de Dieu, en invoquant sa bénédiction pour une semaine remplie de succès, de protection et de percées divines. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un « Amen » en commentaire pour manifester votre foi et recevoir les bénédictions célestes. Rejoignez-nous sur Versets bibliques puissants et laissez la parole de Dieu transformer votre vie jour après jour. Que cette prière vous inspire et vous guide vers une semaine victorieuse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin béni, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant et plein d'espoir. Je te remercie pour le don de la vie et pour cette nouvelle semaine qui commence. Je te loue pour ta fidélité et ton amour sans fin. Père Céleste, je te demande de me donner la victoire en ce lundi, que toutes les batailles auxquelles je fais face aujourd'hui soient remportées par ta puissance et ta force. Comme il est écrit dans ta parole, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Accorde-moi la victoire sur tous mes défis, au nom glorieux de Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour des percées divines dans tous les aspects de ma vie. Que ce lundi soit marqué par des portes qui s'ouvrent, des opportunités nouvelles et des bénédictions inattendues. Tu as dit dans ta parole, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que tes plans parfaits se réalisent dans ma vie aujourd'hui. Père, guide mes pas en ce jour. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi. Comme il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, que ta lumière éclaire mon chemin et me conduise vers le succès. Seigneur, je te demande de me couvrir de ton manteau de protection. » Éloigne de moi tout danger, toute attaque de l'ennemi et toute forme de mal. Que tes anges campent autour de moi pour me garder en sécurité, comme il est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Père Céleste, renouvelle ma force et mon courage en ce lundi. Que je puisse affronter chaque défi avec la confiance que tu es avec moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donne-moi l'énergie et la détermination pour accomplir mes tâches et atteindre mes objectifs. Seigneur, remplis mon cœur de ta joie et de ta paix. Que cette journée soit remplie de moments de bonheur et de tranquillité, malgré les circonstances. La joie de l'Éternel est votre force. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. En ce début de semaine, je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que tout. Ce que nous demandons ou pensons, selon ta puissance qui agit en nous. Alors que je commence cette nouvelle semaine, je te demande humblement de m'accorder la victoire sur tous les défis et obstacles que je pourrais rencontrer. Père Céleste, ta parole nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis ». Fortifie-moi avec ta puissance divine et remplis-moi de ta force inépuisable pour que je puisse triompher en toutes choses. Que chaque situation difficile soit une occasion de voir ta main agir puissamment en ma faveur. Seigneur, équipe-moi de sagesse pour naviguer à travers les complexités de cette journée et de cette semaine. Que ton esprit me guide dans chaque décision et action, transformant les défis en victoire et les obstacles en opportunités de croissance et de témoignage de ta bonté. Aide-moi à rester courageux et confiant, même face à l'adversité. Que ma foi en toi ne faiblisse pas, mais soit renforcée à chaque moment de triomphe. Que je sois un exemple de ta victoire, inspirant les autres par mon assurance et ma persévérance.
Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta présence constante dans ma vie. Je m'appuie sur tes promesses, sachant que tu es avec moi à chaque étape, prêt à m'offrir la victoire sur mes ennemis et à transformer mes luttes en succès. Que cette semaine soit remplie de tes miracles et de tes victoires, et que mon cœur reste toujours reconnaissant pour chaque bénédiction que tu verses sur moi. Tu as promis que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, destinés à nous donner un avenir et de l'espérance. En m'appuyant sur cette promesse, je te demande d'ouvrir les cieux et d'accorder des percées dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, que ce lundi marque le début de grandes opportunités et de bénédictions nouvelles. Que chaque aspect de mon existence, spirituelle, familiale, professionnelle, financier, soit touché par ta main puissante. Que les barrières soient levées et les chemins ouverts pour que je puisse marcher vers les destins que tu as préparés pour moi. Je te prie pour une abondance de ta grâce et pour une manifestation de ton esprit dans ma vie comme jamais auparavant. Que chaque obstacle soit transformé en marchepied vers de plus grandes victoires. Donne-moi la sagesse et la clarté pour reconnaître les portes que tu ouvres et le courage de franchir celles-ci avec confiance. Seigneur, renouvelle ma force et ravive mon esprit. Que ma foi grandisse et que mon cœur soit toujours orienté vers toi. Dans les moments de doute ou de découragement, rappelle-moi que tu es toujours avec moi, œuvrant pour mon bien. Je te remercie, Père, pour ton amour inépuisable et ta fidélité éternelle. Je me réjouis à l'avance pour les merveilles que tu vas accomplir cette semaine et au-delà. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta capacité à transformer le moindre espoir en une réalité glorieuse. Guide mes pas et éclaire mon chemin avec la lumière de ta sagesse divine. Donne-moi le discernement nécessaire pour prendre les bonnes décisions et aide-moi à naviguer à travers les complexités de cette journée avec clarté et compréhension. Père Céleste, ta parole nous enseigne à nous confier en toi de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Aide-moi à suivre cet enseignement, sachant que tu as toujours le meilleur plan pour moi. Que je sois attentif à ta voix et sensible à ta direction à chaque moment. Accorde-moi la sagesse pour voir les choses telles qu'elles sont et non telles que je souhaite qu'elles soient. Que mon esprit reste ouvert aux conseils que tu places sur mon chemin et que je sois courageux pour agir selon ta guidance, même quand cela semble difficile ou incertain. Seigneur, je te demande aussi de protéger mon esprit des erreurs de jugement et de me préserver des influences trompeuses. Que je reste ancré dans ta vérité et que mes actions reflètent ton amour et ta justice. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante et pour l'assurance que tu es toujours à mes côtés. Que cette journée soit remplie de ta paix, alors que je marche avec confiance, guidé par ta main aimante. Tu es ma forteresse et mon refuge, mon protecteur infaillible dans tous les moments de ma vie. Je te demande, Seigneur, de m'envelopper de ton manteau de protection contre tout danger et toute attaque de l'ennemi. Que tes anges puissants, ceux que tu envoies pour veiller sur tes enfants, campent autour de moi aujourd'hui. Que leur présence soit une barrière infranchissable contre les forces du mal et les menaces du monde. Protège-moi des dangers visibles et invisibles et garde-moi à l'abri sous tes ailes protectrices. Seigneur, ton Écriture nous assure que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Fortifié par cette promesse, je marche avec confiance, sachant que je suis sous ta constante surveillance, que ta protection divine me guide et me défende dans tous mes déplacements et mes activités. Dans chaque situation, que je sois conscient de ta présence. Accorde-moi la sagesse de reconnaître les signes de ta protection et le courage de me reposer sur tes promesses. Aide-moi à vivre cette journée avec la paix et la sécurité que seule ta garde peut offrir. Je te remercie, Père, pour ta fidélité et ta miséricorde qui ne cessent jamais. Que mon cœur reste toujours rempli de gratitude pour la protection et l'amour que tu me dispenses chaque jour.
Dans les moments de fatigue et de découragement, rappelle-moi que je puis tout par toi qui me fortifie. Accorde-moi, je te prie, l'énergie et la détermination nécessaires pour accomplir mes tâches et atteindre mes objectifs. Que ta force soit ma force, que ton courage soit mon courage. Que je ne sois jamais accablé par le poids des responsabilités, mais que je trouve en toi la vigueur nécessaire pour les porter. Père, dans les défis que je rencontre, que je puisse voir des opportunités pour ta gloire se manifester. Aide-moi à rester persévérant, à ne pas céder au découragement ou à la peur. Renforce mon cœur pour qu'il soit audacieux et résilient, prêt à affronter les obstacles avec une foi inébranlable. Que je marche chaque jour avec la certitude que tu es avec moi, me soutenant et me guidant. Laisse ta présence être mon encouragement constant et ton esprit ma source d'inspiration. Que je sois un exemple de ta force manifeste, témoignant de ta capacité à transformer la faiblesse en force et le doute en certitude. Je te remercie, Seigneur, pour la promesse que je puis tout par celui qui me fortifie. Que cette vérité guide mes pas et illumine mon chemin. Que chaque jour soit un témoignage de ta puissance opérant en moi et à travers moi. Que ces dons divins transforment ma journée, la marquant de moments de bonheur et de tranquillité. Père céleste, alors que les défis quotidiens et les soucis menacent souvent de submerger mon esprit, je cherche le réconfort et la sérénité dans ta présence. Remplis-moi de ta joie qui est ma force et mon bouclier contre la fatigue et le découragement. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Que cette paix soit avec moi dans toutes mes interactions, apaisant les tensions et élevant les esprits autour de moi. Laisse-moi être un canal de ta paix, diffusant la sérénité et la réconciliation partout où je vais. Seigneur, aide-moi à cultiver une attitude de gratitude et d'optimisme, reconnaissant chaque bénédiction et chaque opportunité que tu places sur mon chemin. Que la reconnaissance soit la clé qui ouvre mon cœur à davantage de joie et que je trouve des raisons de sourire et de célébrer, même dans les petites choses. Je te remercie pour ta fidélité et pour les nombreuses façons dont tu as déjà béni ma vie. Que mon âme se réjouisse en toi et que je partage cette joie avec ceux que je rencontre, leur montrant l'amour et la bonté que tu as généreusement versé sur moi. Bénis mon travail et mes efforts et accorde-moi la réussite dans toutes mes entreprises professionnelles. Seigneur, que ta grâce soit sur moi, que ton esprit d'innovation et de persévérance m'accompagne dans chaque tâche. Affermis l'ouvrage de mes mains comme tu l'as promis dans ta parole. Aide-moi à faire face aux défis avec courage et à trouver des solutions efficaces qui reflètent ton intelligence et ta créativité. Accorde-moi la clarté de pensée et la concentration nécessaires pour mener à bien mes projets. Que chaque décision que je prends et chaque action que j'entreprends soit guidée par ta sagesse divine et que je puisse ainsi atteindre les objectifs fixés avec excellence et intégrité. Père, favorise la croissance de mes compétences et ouvre de nouvelles portes d'opportunités. Que les relations professionnelles que je cultive soient fructueuses et mutuellement bénéfiques, et que mon environnement de travail soit harmonieux et propice au succès. Seigneur, je te remercie pour les talents et les capacités que tu m'as donnés. Aide-moi à les utiliser pleinement pour ton honneur et ta gloire. Que mon travail ne soit pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une expression de mon service envers toi et envers les autres. Je place cette journée et ma carrière entre tes mains, confiant dans le fait que tu me guideras à chaque étape. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur moi et que l'ouvrage de mes mains soit affermi pour ta gloire. Protège-moi de toutes maladies et faiblesses et accorde-moi la guérison divine selon ta volonté. Il envoie sa parole et les guérit, il les délivre de leur détresse. Laisse cette promesse se manifester dans ma vie. Père céleste, je te supplie de restaurer ma force physique et mentale. Dans les moments de fatigue ou de découragement, renouvelle mon énergie et mon esprit.
Que ta puissance curative travaille en moi, réparant ce qui est endommagé et revitalisant ce qui est affaibli. Seigneur, dans ta miséricorde, touche chaque partie de mon corps avec ta main guérisseuse. Que ton Esprit Saint m'envahisse, apportant bien-être et santé complète. Purifie-moi de toute infirmité et protège-moi de nouvelles maladies. Accorde-moi la grâce de vivre une vie pleine et active, glorifiant ton nom par toutes mes actions. Je te demande aussi, Seigneur, d'accorder la sagesse et la guidance aux professionnels de santé qui prennent soin de moi. Inspire-les avec la connaissance et l'expertise nécessaires pour me proposer les meilleurs traitements. Que leur travail soit une extension de ta compassion et de ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta tendresse envers moi. Je place ma confiance et mon espoir en toi, sachant que tu es toujours à mes côtés. Que ma santé restaurée soit un témoignage de ta bonté et de ta capacité à guérir et à sauver. Aide-moi à m'appuyer entièrement sur ta parole et tes promesses, sachant que tu es fidèle et que tu accomplis toujours ce que tu as promis. Dieu de vérité et de puissance, en ce lundi de victoire, permets-moi de m'ancrer solidement dans la réalité de ta présence et de ta provision. Que je puisse vivre chaque instant avec la conviction que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-moi les nombreuses fois où tu as manifesté ta fidélité et ta bonté dans ma vie. Renouvelle en moi un esprit de confiance pour que je puisse avancer sans peur, confiant que tu es à mes côtés, me guidant et me soutenant. Donne-moi la grâce de dépendre de toi pour tous mes besoins et décisions. Que je cherche toujours ton royaume en premier, en ayant la certitude que tout le reste me sera donné par surcroît. Que ma foi en toi soit visible à travers mes actions et mes paroles, témoignant de ton amour et de ta souveraineté à ceux qui m'entourent. Je te remercie, Père, pour ta patience et pour l'amour inconditionnel que tu m'accordes chaque jour. Aide-moi à grandir encore plus dans la connaissance de toi et à approfondir ma relation avec toi. Que ma vie reflète toujours plus ta lumière et ta vérité. Seigneur, en ce début de semaine, je place ma confiance en toi, sachant que tu es fidèle et que tu veilles toujours sur moi. Merci pour ta protection, ta guidance et tes bénédictions. Au nom glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen.